Salut à tous, c'est Velo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que aujourd'hui c'est le titre, comme vous avez vu dans le titre, c'est si ma mère jouait à Movistar Planet, comment ça serait, etc. selon moi. Donc pour l'instant je ferai pas de vidéo avec ma mère. Par contre si vous explosez les pouces bleus dans cette vidéo, ma mère fera une vidéo avec moi sur Movistar Planet. Là c'est sûr il n'y aura pas de problème. Et si vraiment vous le souhaitez, je pourrais aussi en faire une avec mon père. Alors là, attention les gars, ça va être sévère, sévère, sévère. Et on verra aussi avec mon frère. Voilà, pour l'instant aujourd'hui c'est si ma mère jouait à Movistar Planet, comment ça serait, comment j'imagine. Voilà, donc c'est parti, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager et à commenter. Et moi je vous souhaite une bonne vidéo, c'est parti. Alors si ma mère jouerait à Movistar Planet, déjà elle serait complètement paumée. Donc il faudrait limite que je l'amène avec moi, je la tienne par le bras pour pouvoir se créer son compte. Elle ne sait pas du tout, elle ne connaît pas du tout ce jeu, elle m'a vu jouer à ça depuis des années mais elle a jamais joué. Elle m'a déjà choisi des fringues, ça c'est vrai, elle m'a déjà aidé à choisir des fringues, c'était carrément un ouf. Et comment je l'imagine ma mère direct, alors déjà elle est très blanche de peau, non c'est pas un zombard non plus, oui bonjour, ma mère n'est pas un zombie, oui, voilà comme ça. Ensuite au niveau du nez, moi je dirais qu'elle a un nez comme ça. Au niveau de la bouche, voilà, elle a une bouche très fine, elle a pas, elle a les lèvres très claires. Au niveau des yeux, elle n'a pas beaucoup de cils, elle est comme moi en fait, elle était blonde avant et moi aussi. Ou elle n'a pas de sourcils, elle n'a pas de cils, elle a... enfin vraiment c'est, donc on va dire cela et on va lui mettre les yeux marrons et on va lui mettre les sourcils inexistants. Oh c'est moche. Oh ma pauvre maman. Ah non mais c'est jaune pisse. Ok, on va lui mettre des sourcils comme ça là. Ok, en cheveux, et bah écoutez, elle a les cheveux très très courts. Entre cette coupe, hein, oui. Non, j'hésite entre cette coupe et cette coupe. Donc elle a les cheveux comment? Mais non, mais je dirais plutôt cette coupe là. Elle a les cheveux quelle couleur déjà? Parce qu'elle se fait des colorations et elle a les cheveux en fait à moitié violine. Donc ouais, comme ça. Mais c'est encore plus foncé ce qu'elle a. Au niveau du haut, ma mère elle s'habille simple. Oh, quoique, des fois quand elle sort, elle a un truc comme ça. Mais elle a un truc comme ça, mais je vais lui mettre un truc basique. Elle met pas ça, ma mère, non. Oh là là, c'est stressant, elle met pas de débardeur non plus. Oh, c'est pas grave, je trouve pas, mais bon, c'est un t-shirt, on s'en fout. Au niveau des pantalons, elle, elle met tout le temps des pantalons normaux, quoi. C'est pas chier, non, ça c'est moche. Non, mais pas ça. Ah, quoique, si elle met des trucs comme ça des fois. Ok, bah je vais lui mettre couleur jean. Ah non, c'est pas couleur jean ça. Et au niveau des shoes, elle met des petites chaussures. Elle met tout le temps des baskets ou des bottines. On va pas lui mettre ça, putain, ma mère, c'est pas un pantin. Elle a des converses. Elle a des converses, donc on va lui mettre des converses. Quelle couleur elle c'était ces converses, je sais même plus. Et ben on va lui mettre blanc. Et là on va l'appeler maman de Mélo parce que je ne dirai pas son nom, son prénom en vidéo. Et voilà. Maman de Mélo, je suis sûre que ça existe. Voilà. Putain c'est pas possible, les gens ils peuvent pas s'en passer de faire ça. Hein. Non ils peuvent pas s'en passer, ils sont obligés de le faire. Hein. Oh ça personne n'y a pensé, je suis sûre. Donc là on va créer le compte et là voilà. Je vais vous expliquer un peu comment ma mère elle serait. Déjà niveau vestimentaire c'est ça, hein, niveau des cheveux aussi. Donc là on va faire la rencontre avec Pixie Star. Alors ça rigole plus, maman, voilà, je te présente Pixie Star. C'est qui hein? Bah c'est une meuf random qui sert à rien. Voilà. Alors ma mère des fois elle a des lunettes, mais on peut pas les lunettes. Alors déjà ma mère elle arrivait sur le jeu à frais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On va lui mettre des lunettes noires parce que ma mère elle n'a que des lunettes noires. Quoique elles sont aussi un peu voilà comme ça. Fait trop pin-up là ces lunettes là. Oh non, elle met pas ça comme lunettes. Mais oh. Tu l'as pris pour qui ma mère? Et là on va marquer je suis la maman de Mélo. Loul. Donc ma mère elle est pas difficile niveau des vêtements. Donc perso elle ferait des looks vite fait. Alors ça mais laisse tomber quoi. Elle serait complètement paumée si elle jouerait à ça. Pour elle ça serait une terre inconnue. Ça serait comme pour aller en Afrique, elle serait perdue. Donc voilà. Ah bah je vais attends. Alors déjà ma mère dirait que ce qu'elle où est-ce qu'elle irait, c'est dans les pépettes. Parce que ma mère elle adore les chiens. Et on a un chien, c'est un Spins. Et elle est direct elle irait directement s'acheter un bounny. Elle irait direct s'acheter ce petit chien peut-être. Oh trop cute. Oh la petite chose. Ou alors elle dirait que c'est complètement moche et que ça sert à rien. Déjà ma mère si elle jouerait à Movistar Planet ça serait le bordel. Donc voilà, alors direct elle irait dans les salles de chat, ça c'est une certitude. Elle irait dans les salles de chat et elle parlerait comme pas possible aux gens et elle accosterait les gens comme ça. Je la connais, elle accoste tout le monde. Enfin voilà, le compte il est créé, comme ça le jour où ma mère fera une vidéo avec moi, elle prendra ce compte là et elle fera un look elle-même sur ce compte. Ma mère s'imagine sur du virtuel. C'est pas gagné gagné les enfants, c'est pas gagné gagné, moi je vous le dis. Donc voilà, sur ce c'était une petite vidéo pour vous montrer comment ma mère serait sur du virtuel à peu près comme ça, voilà. Donc voilà, si vous voulez donc une vidéo avec ma mère qui joue carrément au jeu, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu et le commentaire hashtag on veut voir la maman de Mélo, hashtag on veut voir la maman de Mélo. Donc voilà, et si tu as regardé la vidéo en entière, n'hésite pas à lâcher un petit hashtag poulet, ça me ferait grave plaisir. Bref, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.